La mentalité des gangs est simple. Ceux qui ne prêtent pas serment ne sont que des pigeons. Mais on ne fait pas que tuer des gens. On comprend ce que le peuple veut. Et on le lui donne. Il n'y a pas qu'une seule manière possible pour faire fortune. Si vous voulez de l'argent, du pouvoir et du respect, il faut être un parrain. Ces génies du crime atteignent des sommets inaccessibles à la plupart des mortels. On ne gagne pas 30 milliards de dollars par hasard. En suivant leur exemple, vous aussi, vous pourrez obtenir l'argent, le pouvoir et le respect qu'on vous refuse depuis si longtemps. Je vais vous montrer comment faire. Dans ce milieu, tout le monde veut vous prendre ce que vous avez. Et la meilleure solution pour se protéger, c'est la violence. Devenir parrain exige d'avoir de la discipline. Escobar a soigneusement travaillé son image publique. L'esprit d'entreprise. Ils ont pris le contrôle du trafic de bière. Ils gagnaient énormément d'argent, c'était dingue. Et d'être prêt à tout pour préserver son pouvoir. Il pouvait atteindre n'importe qui. Si vous vous en prenez à nous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou la protection dont vous bénéficiez, nous vous tuerons. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il menait une double vie. Il savait ce qui se passerait s'il était démasqué. Le moindre faux pas peut conduire au désastre. Des milliers d'innocents ont été tués. Cette vie n'est pas faite pour tout le monde. Cet enf*** m'a quand même balancé. John Gotti a détruit la mafia. Les meilleurs gains reviennent forcément aux plus visionnaires. C'était l'un des criminels les plus riches au monde. Alors, prêt à fonder votre empire ?